Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision et d'Internet. Tous ensemble, nous sommes une grande famille chrétienne et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme vous le savez, le synode sur la famille se réunit présentement à Rome. Il y a une célébration spéciale pour les conciles et les synodes. Nous allons donc prendre les prières de cette célébration et nous nous unissons à toute l'Église pour prier que ce synode porte des fruits et amène à comprendre encore mieux la place et le rôle de la famille dans la vie chrétienne. La messe de ce matin est offerte aux intentions de Mme Christiane Lefebvre. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que Dieu est un Dieu d'amour et de pardon et demandons-lui pardon pour nos fautes. Tu es venu pour libérer le monde des forces du mal. Seigneur, prends pitié. Par ta présence, le règne de Dieu est déjà parmi nous. Ô Christ, prends pitié. Tu nous invites à faire un choix radical et à marcher avec toi. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes serviteurs réunis en synode l'Esprit qui fait la lumière, qui monte à la vérité et qui construit la paix, qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toutes leurs forces à les accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait, Dieu estima qu'il était juste. Comprenez-le donc, les vrais fils d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations païennes que Dieu en ferait des justes par la foi. C'est pourquoi on y trouve cette bonne nouvelle annoncée à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de l'obéissance à la loi de Moïse, ils sont tous atteints par la malédiction dont parle l'Écriture quand elle dit: maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste auprès de Dieu, puisque l'Écriture dit « C'est par la foi que le juste vivra ». La loi, c'est tout autre chose que la foi, puisque la loi dit: celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, c'est le Christ qui nous en a rachetés en devenant objet de malédiction pour nous sauver. Car l'Écriture déclare: maudit soit celui qui est pendu au bois du supplice. C'était pour que la bénédiction d'Abraham s'étendent aux nations païennes dans le Christ Jésus et qu'ainsi nous recevions, grâce à la foi, l'Esprit promis par Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, garde à jamais mémoire
cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde à jamais mémoire de son alliance. Voici maintenant le règne de Dieu et la puissance de son Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se mirent à dire : c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit : tout royaume divisé devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulse-t-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort est bien armé et garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt la terre desséchée en cherchant un lieu de repos. Et comme il n'en trouve pas, il se dit : je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va. Il prend cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, le texte d'Évangile qu'on vient d'entendre débute après que Jésus ait guéri quelqu'un qui est dit possédé d'un démon muet. Jésus vient de redonner la parole à une personne muette, donc. Et on dit que cette personne est habitée par un démon muet. La scène semble se passer dans un lieu public puisqu'il y a une grande foule rassemblée autour. Et cette foule est émerveillée par l'action de Jésus. Mais il y a dans cette foule quelques personnes qui sont opposées à Jésus et qui, visiblement, remettent en question l'attitude de cette foule qu'ils considèrent probablement trop naïve et remettent en question le geste de Jésus qui serait une manifestation de la puissance de Dieu, de cette puissance qui libère et donne vie. On remet cela en question. Jésus semble immédiatement avoir dans ces personnes des pseudo-chefs religieux. Jésus s'adresse à eux. Matthieu dit que ces gens sont des pharisiens, Luc ne le dit pas, mais ce sont des petits chefs religieux qui apparemment ont eux-mêmes des disciples. Ces disciples pratiquent aussi des exorcismes. Nous sommes dans un contexte d'un groupe qui s'oppose à Jésus et pourtant qui semble le suivre. Jésus termine en montrant qu'il faut faire un choix. Et c'est justement dans ce contexte qu'il faut comprendre qui n'est pas avec moi et contre moi. Ce n'est pas un principe général, mais dans cette situation-là, pour ceux qui sont cette foule qui me suit, c'est comme s'il disait, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes donc contre moi. Nous sommes dans ce contexte. Jésus termine en montrant qu'il faut faire un choix. Dans d'autres contextes, il se montre plus ouvert. Mais ici, il faut clarifier une situation concrète devant des gens qui suivent Jésus, mais qui le suivent véritablement pour le piéger constamment. L'Évangile nous parle d'une personne habitée d'un esprit muet. Nous avons sans doute des façons assez différentes aujourd'hui pour comprendre comment le mal devient présent dans les vies des personnes. Au temps de Jésus, on voyait ça facilement comme la présence d'un esprit mauvais. Nous avons avancé dans nos réflexions, mais il faut pourtant admettre que l'être humain peut souvent être habité par une force qui le pousse au mal. On le voit dans les informations, quand on fait le procès de quelqu'un qui a apparemment tué et démembré un de ses amis, d'un père ou d'une mère qui ont tué leurs enfants, on dit « qu'est-ce qui les a possédés pour faire un geste comme celui-là? » Oui, on ne parle pas nécessairement d'esprit diabolique, mais de forces qui sont dans l'être humain et qui le poussent au mal. Nous rencontrons des gens qui semblent devenus esclaves de la drogue, de l'alcool, du jeu, qui ne se possèdent plus, qui sont dominés par une passion et qui sont incapables de bien vivre. Ils sont menés à tous les excès. Devant ces situations où l'être humain semble devenir esclave, Jésus se présente donc comme une force qui libère et redonne à la personne le pouvoir sur sa propre vie. Quelle que soit l'explication de la source du mal, le message central, le règne de Dieu est parmi vous, la force de Dieu est parmi vous, et cette force est une force libératrice qui vient vous libérer et vous donner vie. Nous pouvons le voir, bien sûr, dans la vie de chaque personne, dans nos propres vies, mais au moment du synode pour la famille, on pourrait aussi prendre conscience comment des esclavages comme ceux-là peuvent devenir un obstacle à la véritable vie de famille. Combien de familles sont en effet détruites par ces situations où des membres de la famille deviennent esclaves
de force qui les détruisent et qui détruisent encore plus le tissu de la cellule familiale. Le message d'Évangile est toujours un chemin de libération. En ce temps du synode, nous sommes invités à prier. Prier pour que nos familles vivent dans l'amour et la liberté véritable. Prier pour que le synode trouve des façons d'aider nos familles à vivre dans la paix véritable, de se libérer de toute force du mal. Nous pouvons aussi regarder dans nos propres vies, dans nos familles, s'il n'y a pas aussi de ces esclavages, de ces forces qui paralysent et qui empêchent la vie de vivre vraiment pleinement. Demandons au Seigneur de continuer à libérer tous les êtres humains, libérer toutes les familles des forces du mal. Jésus dit, « Si je fais cela, c'est que le règne de Dieu est parmi vous. Par le Christ, le règne de Dieu est parmi nous. Ce règne d'un Dieu qui libère et donne la vie. Demandons-lui de continuer à nous guider sur ce chemin de la vie et de la véritable liberté. » Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu très bon, regarde l'offrande que tes serviteurs et tes servantes te présentent et donne-leur la lumière qu'ils connaissent ta volonté et la mettent en œuvre avec courage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donne à chaque moment. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton Esprit qui la soutient et la garde fidèle pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec tous les évêques rassemblés en synode, et avec tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayant part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Prions le Seigneur. Que cette communion, Dieu très aimant, enracine tes serviteurs dans la vérité et les aide à ne chercher que ton règne, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.